Bienvenue à la halle des Young Vikings. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lieu pour nous réunir et compter nos récits. Si tu veux engager des Yorms Vikings pour tes attaques, viens ici. Avec le temps, viendront des combattants impressionnants, des gens doués. Tu peux compter sur moi pour faire ta fierté et celle des dieux, Eivor. Viens piller avec moi. Pour le butin, pour la gloire et le Valhalla. Allons combattre. On manque toujours de pillards. L'occasion se présentera. Ah, Eivor, il y a une chose dont je voulais te parler. L'héritage de Saint-Georges. Est-ce encore une de ces légendes grotesques? Oui. C'est l'histoire de l'héritage d'un saint. Perdu depuis des siècles et réparti et caché dans toute l'Angleterre. Et personne n'aurait la moindre idée d'où se trouvent les fragments de cet immense trésor. Jusqu'à présent. Mais cela fait des mois que j'entends des rumeurs en lien avec ces récits. Et aujourd'hui, mes éclaireurs sont revenus avec une carte. Les fleuves Severn et Aix ont tous de leur place dans la légende de Georges. D'accord. Alors c'est là qu'on va chercher. Mais reste à l'affût d'indices à propos d'autres lieux. Rien n'est jamais certain. Ainsi, je ne peux pas t'assurer qu'il existe quoi que ce soit. Tu veux le vérifier? Ça a l'air tentant. D'accord. Bonne chance. Qu'as-tu de beau aujourd'hui? Il n'y a pas beaucoup de navires meilleurs que celui-là, tu sais. As-tu un contrat pour moi? Enfin, quelqu'un de fiable pour les tâches périlleuses. À l'instar des briques, avec des talents tels que les tiens, cela ne devrait pas être un souci. Je dois prendre congé. Adieu. Va, tu pourras me retrouver ici. Bien, partons. Plus de poils, Lou. Allez, une chanson. Va nous raconter une histoire. J'ai envie d'une chanson. Scald de Bicelle, quoi ? J'ai connu un fou qui avait à peu près mon âge. Il s'appelait Rocker. Nous l'avions surnommé le Rongeur parce qu'il aimait amasser les choses. En l'occurrence, des haches. Pendant une vingtaine d'années,
Il accumula des haches de toutes formes et de toutes tailles. Il n'avait jamais combattu, mais jurait devant Thor qu'il était prêt. Lors de sa 31e année, alors qu'il avait trop bu de guerre, Rocker séduisit l'épouse d'un autre. Le mari réclama alors un Holmgang. Rocker accepta le Holmgang. Et le jour dit, disposa tous de ses haches avant de déclarer « Laquelle vais-je donc utiliser pour te tuer? Vais-je prendre briseuse d'eau ?» Ma lame... On continuera plus tard. C'est l'un de leurs riches camps. Déjà à la meilleure partie. Vais-je prendre briseuse d'eau? Ma lame barbue porteuse de runes de Seid, attachée à un manche en chêne d'Angleterre. On reprendra plus tard. Monastère là-bas. Gardons ça pour plus tard. Bon, vous pouvez y aller. Ouais. Hey, mais que... Le mort vient de chercher un coup. Regardez. Merci de ta bonté. Yeah.
Dieu que tu verras, que c'est Eivor qui t'envoie.
vas payer pour tes péchés! Eivor, approche. Tiens-toi ici et regarde les fjords. Prends ma main. Voilà. Je n'ai jamais été aussi haut. Ton père m'a fait venir ici quand nous avions tout juste 19 ans. Ensemble, nous avons empilé des pierres pour former des cairns. Cela ? Oui. C'est une sorte d'épreuve pour l'esprit. On empile les pierres le plus haut possible, peu importe la forme. Et comment on gagne ? La victoire, c'est de jouer. Et la récompense, la sérénité. Laisse-toi apaiser par le vent et la beauté de la nature. L'accès à cet endroit est interdit. Continuez comme ça! Ah, on y grimpe là-bas!
te frappe. Dans l'autre monde, tu regretteras les choix que tu as faits ici.